Nous sommes ici au Maroc, je suis résident au Maroc, je vis avec les Marocains et je comprends leur colère, leur désarroi d'abord, leur déception ensuite et leur colère maintenant face à la politique que la France mène vis-à-vis du Maroc, notamment en termes de visa. Tout ça est absurde, il y a un siècle d'histoire commune, de proximité créée. Nous parlons à la télévision aujourd'hui en français et la France est en train de perdre une bonne part des soutiens ou de l'amitié qu'elle pouvait avoir au Maroc. Je trouve ça extrêmement fâcheux. J'ai peu de pouvoir pour m'y opposer aujourd'hui, mais oui, ça fait partie sans doute. C'est une question de génération, je me permets de vous interrompre. Est-ce que vous pensez, vous connaissez bien la France, vous connaissez bien le système, est-ce que vous pensez, selon vous, que c'est une question de génération? C'est Peut-être. intergénérationnel, c'est-à-dire que c'est cette nouvelle génération qui ne connaît pas ou qui n'a pas connaissance, bonne connaissance de ces liens historiques qu'il y a entre l'Hexagone et le Royaume du Maroc. C'est possible. C'est possible. Je n'ai pas bien cherché quelles sont les causes. Vous avez peut-être raison. En tout cas, ce que je constate, c'est que depuis l'indépendance, les liens n'ont jamais été aussi ténus qu'ils ne sont aujourd'hui, pour des raisons, je crois, absurdes, de mauvaises raisons. Et bien sûr, c'est fâcheux pour le Maroc, mais à l'arrivée, ce sera encore plus fâcheux pour la France. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'amis dans le monde. Les Français peuvent pas passer leur temps à croire qu'ils sont totalement dominants et que les 65 millions d'habitants de la France vont régler leur sort de la planète comme ils l'entendent. Nous avons besoin d'amis, nous avons besoin d'alliés. Il y en a que nous avons. Il faut les garder. Mais est-ce que sur justement l'aspect économique, aujourd'hui, la France, encore une fois, vous avez évoqué l'exemple du Maroc, nous sommes au Maroc, parlons-en justement. Il y a beaucoup d'investissements français au Maroc, mais il semble s'essouffler. Pourquoi? Je ne sais pas s'il s'essouffle. Il y a beaucoup d'investissements français au Maroc et c'est bien. Le problème, c'est qu'avant, il n'y avait que des investissements français. Maintenant, il y a des investissements qui viennent d'ailleurs, Tout à fait. d'Espagne, des États-Unis, des pays du Golfe. Tant mieux, tant mieux. Alors, évidemment, la part française diminue, mais ça, c'est pas grave. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elle diminue en montant. Qu'en pourcentage, elle diminue parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, tant mieux pour le Maroc.